êtes là, les gars. Nous sommes à Orly. Orly. Et nous allons à Tel Aviv, Yafa. Il pensait qu'on n'arrivait pas arriver à s'embarquer. Pourquoi je fais ça en fait? Je sais pas. Parce que tu rêves, je faisais genre une billet. Aïe aïe aïe. Big billet. Donc là, on a passé tous les contrôles de sécurité, tout ça, les passeports, les fameuses questions. Les gars, du coup là j'ai plus de shampoing, il n'a plus de crème pour le corps et moi j'ai plus de crème pour le corps non plus. Faites attention, dans la panique on fait n'importe quoi. Dave West. Check. Donc, quand on rentre, on a tout de suite le lit. Avec une petite commode sur le côté. Ah oui, grave. Elle est trop belle, ouais, ouais. Ils ont mis un petit mot. Un grand mot avec des petits bonbons. Avec des bonbons. On a ce petit coin bureau. Hop, avec la télé, etc. Derrière la porte, comme d'hab, le range valise. Ah ouais, range... il est bien, en plus on a un petit frigo. Le range princesse. Le range, ouais. Le frigo et le coffre-fort. Et après, ici, la salle de bain. Vous voyez, simplement. Oui, regarde la douche, comment elle est là. Et une douche, simplement. Tout stylé. Ouais. Salut les salles. C'est le balcon! Oui. C'est trop fort! Et voilà, avec une petite vue comme as. Oh là, on est bien. Hein. Oh là, on est bien. Hein. Et voilà. Voilà. Hello! Coucou, donc là on vient de faire l'appartement tour, vous avez vu comment on a fait l'appartement tour, le room tour, vous avez vu comment la chambre elle est trop d'art. Donc là j'ai fait quelques photos sur le balcon parce que ça c'est la tenue que j'avais pris l'avion. Donc je voulais me changer pour me mettre en short et tout ça parce qu'il fait 30 degrés et je meurs de chaud. Donc pour me changer, bah, j'ai pris quelques photos de ma tenue parce que je ne pourrais plus la porter ici, mais j'aime trop cette tenue. En fait, ce haut, il vient de chez Primark. Je l'ai acheté à Amsterdam et il est trop beau. En fait, c'est une grande taille, mais bon, j'ai quand même prise. Ensuite, ce pantalon aussi, il vient de chez Primark. Ce sont mes petites baskets Air Max à Paris. Du coup, je l'avais acheté à Londres la toute première fois que j'avais été à Londres et tout. Donc, du coup, je suis trop contente de pouvoir les remettre. Et je sais pas ce qu'on va faire, mais on vous tient au courant. En tout cas, je suis trop contente d'être à... On monte ? Ah, je suis trop contente d'être à Tel Aviv, je vais prendre un plan comme ça. Ah ouais, on a pu faire les photos là-bas en plus. Ouais. Pas mal fini. T'as pris une carte. Ok. On va monter voir la terrasse. On va monter voir la terrasse que le dernier jour. Ouais, à Marbella, elle allait dire, à Séville. Et qu'on n'a pas vraiment pu en profiter. Attendez, je vous montre déjà, il y a une petite terrasse là qui donne une super vue. Une espèce de bar là, je crois qu'il doit avoir des petites soirées. Et du coup ici, je montre un peu à quoi ça ressemble la rue et tout ça. Je m'attendais pas du tout à ça quoi. La ville elle est juste géniale.
J'adore. On va se changer. On va se changer. Je vais mettre quoi? C'est fait. Je vais mettre quoi? Je vais mettre quoi? On n'a pas beaucoup de jours de plage. Hein. On y va là. Ouais, on y va tout de suite même. Allez, la playa. Les beaux gosses de la playa. J'avais rien d'autre à dire. Donc là, j'ai lâché mes cheveux, mais j'ai pris un chouchou pour les attacher. Et après, j'ai mis un haut blanc comme ça. Ah mince, je vous ai pas montré mon maillot. Il est trop beau en plus. Bon, je vous montrerai après. Et ensuite, j'ai mis mes petites claquettes. Et aussi, ils viennent de chez Primark. Franchement, j'ai tout été acheté à Amsterdam, les trucs qui me manquaient à la dernière minute. Même les boucles d'oreilles, ils viennent aussi de chez Primark. Elle est... Et après, c'est quoi ton outfit? Last of the day. Blanc et bleu. Ouais. Ah, j'aime bien. Là, on vient d'arriver à la plage, comme vous avez vu, elle est juste derrière nous. Et si vous remontez la rue qui est là, juste au bout, donc quand même pas 2 minutes à pied, il y a notre hôtel. Donc la plage, elle est juste là. Ce qui est cool ici, c'est qu'ils font du sport. En fait, t'as plein de machines pour faire du sport en plein air. Et c'est grave trop cool. C'est vraiment comme on l'imaginait sur les vidéos. J'adore. Et donc là, il y a le prince super touriste. Hein. Lui, il est déjà... Si ! Le sable, il est tellement fin, on se demande est-ce qu'il est réel. Est-ce que cette plage est réelle ? Il a un flemmard encore. Hein. Il attend demain, il a dit. Demain, il va dire à pas de bas. Je sais pas si tu veux faire un flex avec lui. Then the deer mountain on their roll is in the guns. Ouais, je commence à avoir faim, mais je suis trop bien là. Attends, c'est en dessous. Allez le prince, allez. Salut, c'est fini la plage, on va aller manger du houmous. Ouais, donc là il est 17h et en France je crois qu'il doit être 16h parce qu'il y a une heure de décalage. On était à la playa. C'est notre première journée, on est à Gordon Beach et c'est trop bien, c'est propre. L'eau elle est trop bonne, je me suis baignée. Je m'attendais même pas à me baigner, je vous pose encore une fois. Le sable il est trop cool, c'est, je sais pas comment vous expliquer, c'est doux. Franchement, la plage, franchement, je valide 5 sur 5. Il n'y a rien à dire. Quand tu quittes Gordon Beach, tu remontes la rue, comme je vous le disais, c'est chez nous. Gordon Street. Et après, je remonte la rue, on est chez nous. On peut rajouter tout ça dans le shawarma là. Bon, voilà ce que ça donne en fait quand on est posé sur une table et que c'est pas le monsieur qui est en train de préparer. Ça a l'air tellement lourd là, je vais donner des crocs là-dedans. Donc là on se retrouve dans les rues de Tel Aviv by night. Du coup je vous montre un peu ma tenue.
Qu'on a rencontré comme ça et c'est ton nouveau pote. On a sympathisé, donc il nous a offert à boire, et on traîne avec lui depuis tout à l'heure et tout ça. On retrouve tous ses potes dans toute la ville et c'est trop trop bien. Donc il nous fait visiter et là il va nous emmener où le prince en fait? Ben manger un truc, hein, je crois, parce qu'il nous a dit que tu as déjà testé du houmous. Je lui ai dit qu'on en a déjà mangé juste avant. Ouais. Après il a dit tu connais l'autre truc. Après j'ai dit ben non, et il a dit alors on y va. Ah ouais, donc là il va nous faire goûter d'autres trucs à manger. Ouais, chaud, donc du coup je vous emmène avec nous. Il a demandé, quand il a vu la caméra, il a dit elle... Au début je voulais ranger la caméra dans le sac, comme dire c'est bon, là on va passer une bonne soirée, je vais pas filmer. Et après donc j'ai vu que ça le dérangeait pas, donc on va filmer un peu ce qu'on va faire ce soir. Allez, on y va. Donc là, c'est où il y a tous les magasins où je vais venir demain matin, hein? Parce qu'en fait, demain après-midi, tout va fermer à cause de Shabbat. Et donc là, comme vous pouvez le voir, tous les magasins, ils sont bien ouverts. Il est 21h. You like coconut? Vas-y, les princes. Yes. On se met là? Oh là, venez. Ah, tu peux jouer et tout, c'est trop bien. Attends, je vais le filmer. Dis que la vidéo elle a commencé. It's like an Israeli company. It's called Kuli Alma. It's very nice club. It's the beautiest club in Israel. Et la personne en fait était juste géniale, elle nous a fait visiter parce que toute la ville, on a goûté déjà 3-4 spécialités, il nous a conseillé un burger parce qu'on avait envie de manger. Il nous avait invité à un concert de rap, mais on est trop fatigué, comme on a fait nuit blanche hier, on s'est dit si on y va, là il est 22h30, donc 21h30 à Paris, donc si on y va, ben, on va mourir. Donc on a décidé de rester sagement. Hein, on m'a proposé le concert de ma vie à Tel Aviv, on a dit non, on vaut toi dans le carré VIP. J'ai dit non les gars, on peut pas, on peut pas, on est fatigués là les gars. Ah ouais, parce que si on y allait, ben, on aurait gâché notre journée demain, sachant que demain on n'a qu'une demi-journée. Ouais, clairement, en plus là on a fait 48 heures, hein. Ouais. On n'a pas dormi depuis... Jeudi, on s'est réveillé vendredi matin. On est quand? Ah, on est quand là? On est jeudi. Ah oui, c'est vrai. On est jeudi. On est jeudi, donc on n'a pas dormi depuis... Mais mercredi matin. Ouais. Mais on s'est réveillé, ouais. On n'a pas dormi depuis mardi soir en fait. On s'est couché mardi soir, on s'est réveillé mercredi matin, on s'est pas encore couché. Mon Dieu. Donc c'était quand même assez dur. Ouais, parce que je m'attendais vraiment pas à tenir toute une journée comme ça, je sais pas comment on a fait. Ouais, je pense que c'est l'excitation du voyage et tout ça. Ouais. Et après ici la ville elle bouge quand même assez beaucoup et tout. Donc tout, ouais. On a été emporté. Et on a rencontré un gars super du coup en Europe. Le fil en aiguille. Donc voilà. C'est juste pour vous dire ça, et là on va manger un super burger avec du bacon. En fait, ce gars là que vous voyez, on est dans un truc de. Moi, je suis dans la coulance la plus ultime. Et j'ai demandé du bacon. Et après, elle a dit quoi? Elle a dit on n'a pas de bacon. Je dis c'est quoi ça derrière là-bas? En fait, c'est des tranches d'agneau, je crois. Bah ouais, je suis. J'avais tellement faim que j'ai oublié de filmer les fameux burgers au bacon du prince. C'est de l'eau gagnante. On a pris un menu et puis un burger en plus. Et donc là, c'est du ketchup et de la mayo. Comment est-ce qu'il a été cherché? La sauce frite, ils ont dit. La sauce frite.